Minecraftien ici CB35 en compagnie d'un spirit wolf. Oh la mince. Je t'ai fait mal. C'est mal. Il y a plus de diamants. Ne me tape pas. Je suis vraiment désolé. Il y a plus de diamants. Les diamants ont disparu. À moins que je les ai emmenés dans ma base, mais ça m'étonnerait. Je vais quand même vérifier. Moi aussi, je vais vérifier. Usurpateur. Méchant. Voleur. Je suis sûr que c'est toi. Putain, je... C'est sûr que c'est toi. Non. Je te jure que j'ai rien fait pour une fois. Pour une fois, hein. On est bien d'accord que d'habitude. Si jamais t'as dû faire, tu m'enfiles. S'il te plaît. Il doit rester. Je vais pas vivre longtemps, moi. Avec tout ce que j'ai. Pas vu. Alors. Où est le Tinjof? Là dans sa base. C'est pas moi qui l'ai, putain. Pas de mots vulgaires, Tinjof, sois calme. Désolé, mais c'est pas moi qui l'ai. Cette golem. Comment jouer? Golem. Peut-être. Le sacripant. Ça se trouve, hein, c'est bien lui. Ça m'étonnerait pas trop. Quoique, il serait capable de l'avoir perdu dans la lave. Ouais, c'est pas faux. Mon dieu. Il est tellement no skill. Ouais. Il pourrait même, je sais pas, nous mettre de la TNT sur notre maison sans le faire exprès en arrivant à une plaque de pression. Voilà, il y a quand même des limites, hein. Bah, il en est capable. Bon, du coup, je peux pas. Tiens, on parle de ça, à force de tuer des creepers, j'ai pas mal de poudre à canon. Je vais vérifier si y a un démon, on sait jamais. Celui, c'est un malin. Ouais. Il est vachement sympa, le frère. Il est vachement sympa, hein, c'est lui qui nous a pranké en premier, hein. C'est pas lui, par contre il a 32 fer, je vais c'était pas une blague méchante, contrairement à la tienne. Et moi j'arrive. Le Daimon, j'en ai rien à foutre. Voilà. C'est pas lui. Tu pilles le démon. Voilà, je pille. Y'a pas un peu plus de poudre à canon quand même, parce que je vais pas aller. Je lui ai piqué juste de quoi faire des bottes et un casque. Tiens, j'ai de la poudre à canon. Ouais, rapporte-moi un peu. Attends, je pille les champs à Endemon. Tout le monde le pille. Ouais, t'as vu. J'espère qu'il verra jamais cet épisode si on survit. Parce qu'il va vouloir nous tuer. Non, tu crois? Il vole ses ressources. Alors, bon, d'ailleurs, t'as pas remarqué que je suis quand même arrivé à ma base avant toi, CLB? Oui, c'est pas faux. Attendez. En fait, j'avais deux underferms, donc j'en ai profité. Je sais pas si vous entendez quelqu'un avec une tronçonneuse, mais je crois que c'est Fanax, en fait, qui est en train de détruire la forêt par là-bas. Je sais pas si vous l'entendez. Non, j'entends rien. J'entends un petit arrière-bruit, mais c'est tout. Ouais, bah, je suis sûr que Fanax est en train de... Mais non, Fanax aurait pas fait une tronçonneuse, mais c'est qui parlait de tronçonneuse déjà, au tout début de la série? Je sais pas. Oh putain, Joris, qu'est-ce que tu branles? Joris, genre, Fanax venait se vanter avec sa chambois là, et Joris, non, moi je veux une tronçonneuse, qu'est-ce que tu fous, hein, genre. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait encore ça? Et je suis sûr que Joris a été capable de nous piller nos diams pour faire une tronçonneuse en diams. Parce que diams. Oui. C'est bien le style de Joris. Oui. Désolé. Attends, t'es où, Spirit Wolf? Oui. Je suis en train de chercher votre tête. C'est un cadeau. Aïe. Oui. T'as une flèche surmenée. Aïe. Oh ma gorge, bordel. Aïe. Oh là là. Bon, on stagne un petit peu, je sais pas vous, mais moi je ferais bien quelque chose d'utile. Bon, après, on peut pas faire grand chose sans Joris et Fanax. Et Joris a l'air occupé, j'ai pas envie de on s'est assommé tous les deux. On s'est assommé tous les deux en même temps. Allez, Floufi, on... C'est l'hiver. Allez, Floufi, on vient se balader. Oh non, c'est. Comment tu sais que c'est l'hiver? J'aurais bien. Comment peux-tu savoir ça? Bah, il fait du froid globalement. Je veux dire. Je vais voir. Bah oui, mais si on est. Neigé, mais bon. Tu me diras, moi je suis habitué. Le nord de la France. Je vais fouiller la maison du mec qui est sous l'eau là. Pas qu'il se passe, Ton outil de navigation un peu déconné. La nuit du monde.
Non, je suis en train d'aller dans la maison du mec qui habite sous l'eau là. Quel boulet. Quel boulet cette... Oh tiens, il a du verre. Bah, je lui pique son verre. Eh, hein. Hey, pas ton chauffeur à la balle. Bon, je sais pas ce que tu fous, mais. À une époque, les chiens avaient une force magique qui leur permettait de se téléporter. Et maintenant, faut pas trop s'éloigner parce que sinon, ils suivent plus. Bon, bah, maintenant, j'essaye de sortir de chez lui. Bon, je sais pas ce que tu fous, mais. Allez. Il est un peu abruti ce chien, si je vais me permettre. Bah, c'est pas un chien domestique, je te signale. Hein. Bah, je lui ai mis un collier quand même. Oui, ça veut pas dire. Ça veut rien dire. Un animal sauvage reste un animal sauvage, peu importe ce que tu fais. Désolé. Je l'ai dressé. Tu l'as dressé sur lui. Non, mais même. Désolé. Il est né sauvage, il le restera jusqu'à sa mort. Ça a été démontré. Et alors les premiers chiens domestiques, comment ils sont apparus? J'avoue, parce que j'ai c'est pas les petits. Les... Alors c'était très simple. C'était les chiens qui étaient en corps sauvage, les loups donc. Pas plus compliqué que ça. Qui ont fini par être apprivoisés, mais ils restaient sauvages. Et comme ils étaient apprivoisés, quand ils ont commencé à faire des petits, ces petits naissaient déjà apprivoisés. Ah. Qui a fait qu'au fur et à mesure. Eh ben, c'est devenu les chiens. Vas-y, tu le... Vas-y, Foufi, bien joué. Allez. Et d'ailleurs, Jeb, tu sais où il en est rendu? Jeb, il se balade. D'ailleurs, j'y pense. Fanax, il a plein de chance chez lui. Je l'ai dressé au combat, mon chien. Non, je crois qu'il a été dressé au combat naturellement. Non, mais il vient de tuer deux zombies. Bah oui, ah ouais. Tu crois qu'il faisait quoi pendant qu'il était pas encore apprivoisé? Bah il chassait des petites proies, pas des zombies. Ça m'étonnerait qu'il chasse. Parce que il me semble pas qu'avant notre arrivée, il y ait beaucoup de d'horreur. Et qu'est-ce qu'on sait? Bah avant mon arrivée, il y en avait déjà, donc Ah bon? Voilà. Ouais. C'est sérieux. Oh la classe. Bah en tout cas, ils y étaient déjà quand je suis arrivé. En tout cas, on sait que l'île est victime d'un enfouissement terrible de maléfice. Ouais, mais j'aimerais bien être dans un jeu pour et arrêter ça. Il y a quelqu'un ça. Qui... Un dragon. Dis pas quelqu'un, un dragon. Créature. Mais comment tu veux savoir que c'est un dragon? On va dire une créature pas. Comme ça, on met tout le monde. Je pense, voilà. Mais j'en suis sûr même, en même temps. Bien joué, Foufi. Ça, c'est un bon chien. Bon, je suis en train de piller Fanax, hein. Il m'en voudra pas. Hein? Au secours, tiens, toi. Arrivo. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, ça lui est sorti de l'eau au moment d'exploser. Arrivo. Oh, Einstein est mort. Einstein est mort. Mais oui. Ah, mais oui, c'est bon, les gars, je vais faire un peu d'exploration. Les gars, je vais explorer. Ah. Partir à la conquête de bouffe. D'ailleurs, tu as vu la MC4000? Ah bah non. Bon d'accord. Mais il est passé où mon chien? Oh non, il est mort. Ah non, il est pas mort. Il est là. Ton chien est magicien, à ce que je comprends. Hein. Le chien magicien. Non, magicien. Le magicien. Bon, je pille les récoltes de Fanax. Hein. Oh, et de Joris au passage. D'ailleurs, ah bah, qu'est-ce qu'il mange Joris? Il me l'a jamais dit ce qu'il mangeait Joris. Il doit pouvoir manger toutes sortes de nourriture, y compris la périmée. Sachant quand on tue les golems classiques, ils nous lâchent des fleurs. Peut-être que les golems mangent des fleurs. C'est tordu ton explication. C'est tordu, mais d'un autre côté. Comment tu veux qu'ils ont pas de poche? Où veux-tu qu'ils mettent des fleurs autrement? Permettre. Ce creeper n'en fait qu'à sa tête. Allez, le chien, je vais donner un petit peu de nourriture. D'ailleurs, je me rappelle encore du coup de la dynamite que je t'ai fait. Je me rappelle encore du coup de la dynamite que j'ai fait pendant que t'étais à côté de Jeb. Tu viens de bouffer la moitié de mon poulet sous l'océan. Mais sors de là, imbécile de chien. Il se noie. Luffy, non, imbécile. Non. Je t'avais dit qu'il était pas dressé, je t'avais prévenu. Non, il est mort. Fallait pas s'y attacher. Il est mort,
imbécile. Il fallait pas s'y attacher. Je t'avais prévenu. Immédiatement. Mieux que celle que Fanax a fait pour Einstein. Pour te dire, il a mis un cadre, il a mis un morceau d'Einstein et c'est tout. Ça, c'est la tombe d'Einstein par Fanax. Et d'ailleurs, lui, il a pas réussi à apprivoiser son zombie, mais nous, on a réussi à apprivoiser un petit. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, alors, où est-ce que je vais installer ce truc, hein? Bon, moi, je me balade de chez Fanax. Hein, où les creepers rôdent en constance. Je fouille chez Fanax. Il n'y a pas grand chose à voir d'ailleurs chez lui. Hein. Et je me demande ce que je fais, Joris. Et il a pas de diamant non plus, Fanax. Hein, parce qu'on n'avait pas pensé à regarder chez lui. Et il a pas de diamant non plus. Repose en paix. J'avais dit qu'il fallait pas s'y attacher. Pourquoi? Bon, moi je vais aller creuser dans la MC4 mine avec ma pioche en diamant qui va se casser bientôt. Et moi je dis qu'elle va nous être très utile cette MC4 mine. Hein. Ah bon? Qu'est-ce qu'il veut dire ça? Bah, qu'on va y trouver beaucoup de ressources. Je suis presque sûr d'avoir creusé un filon parfait. Est-ce que j'ai un panneau sur moi? Non, bah tant pis. Ah! Hé! Hey, le fait, va. CLB, regarde-moi. En tout cas, l'épisode devient long. Bien dans l'œil droit. Quoi dans l'œil droit? La flèche que je te pointe dessus. Je crois que je vais vous dire au revoir. Parce que ça fait long et que j'ai un petit peu peur. J'ai pas trop envie de filmer dans ces conditions. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir. C'était CLB.